Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu multi-level Real Car Parking. Donc avant de vous présenter la mission qu'on doit effectuer dans ce jeu, je vais vous présenter en fait comment on va manier ce petit bijou. Donc vous voyez ce gros véhicule, je crois que c'est une Mustang, je suis pas sûr mais elle est vraiment pas mal. Donc comment on va manier ce gros bolide? Eh bien tout simplement avec les flèches de gauche. Donc les flèches vont nous servir à tourner soit à droite soit à gauche avec ce petit bijou. Et vous avez les pédales de frein et d'accélérateur qui se trouvent juste à droite de votre écran, avec un GPS qui est en haut à gauche. Donc c'est ce qui va nous aider à progresser dans le jeu. Donc notre mission aujourd'hui c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement de charger des voitures sur le camion, mais pas de n'importe quelle manière. Regardez-moi ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. On dirait on va faire un tour de manège avec les voitures. Donc là je vais placer la petite voiture jaune ici, voyez, et de là en fait on va le faire monter en haut de droite à gauche, voyez. Donc là j'ai chargé déjà pas mal de voitures apparemment, hop. Et en fait ce système permet d'avoir 3 fois plus de voitures sur le camion. Donc c'est vraiment pas mal hein, comme idée. Ça change un petit peu, ça prend énormément de place. Heureusement qu'il n'y a pas ça dans la vie réelle, sinon on s'en sortirait pas. Donc voilà, c'est un jeu vraiment super sympa et je trouve c'est assez original en plus. Donc je vous ai laissé le lien du jeu dans la description si vous voulez tenter votre chance et essayer de faire comme moi, peut-être même mieux. Donc là, nous, notre objectif, eh bien, c'est tout simplement de charger ces voitures et de les ramener d'un point A à un point B avec le gros camion bleu que vous avez vu précédemment. Donc hop, on va ramener ce petit bijou là où il doit être. Voilà, là, on va prendre à droite. Alors, voyons voir, c'est par où. Donc, en même temps, je vous présente, hein, c'est la même voiture, mais en rouge. Je préfère quand même en jaune. Hop, voilà. Donc il y a un timing aussi à respecter. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important. En général, pour chaque mission, il nous laisse 2 minutes 50, 2 minutes, 3 minutes à peu près hein, pour réaliser chaque mission. Donc là, on n'est pas trop mal. Allez, on continue d'avancer. Voilà, super. Ça aussi, on l'a chargé. Et voilà les amis, donc on est parti. Alors voyons voir, il y a encore de la place pour en charger d'autres. Je sais pas du tout, je pense que là on est pas trop mal hein, quand même. On va voir si on peut en charger un autre. Une autre de voiture. Non c'est bon, allez on est parti. On est parti, donc marche arrière. Alors là il faudra vraiment faire attention à ne pas toucher des bâtiments. Parce que le camion, il est aussi grand que... Enfin, la cargaison est aussi grande qu'un bâtiment. Donc, on va essayer de ne rien toucher, surtout sur notre chemin. Et en plus de ça, il va falloir garder l'équilibre pour ne pas faire tomber les véhicules. Donc, c'est juste fou, hein, cette technique. J'oserais jamais y penser hein, dans la vie réelle. Heureusement que c'est un jeu, parce que sinon, on s'en sortirait pas, je pense. Allez, on continue. Hop, là, on va prendre le à droite. Là, il nous reste 2 minutes et 45 secondes pour effectuer la mission. Je pense que on n'est pas trop mal au niveau du timing. Comme d'hab, en général, comme je vous ai dit, ils sont très généreux. Ouh là là, je me permets même des dérapages, c'est un truc de malade. Donc oui, ils sont très généreux au niveau des timings. Hein. C'est pour ça qu'on s'éclate un petit peu là sur la route. Donc au fur et à mesure des missions, on va récolter des points et ces points vont nous aider à débloquer eh bien, d'autres camions de ce genre et d'autres voitures dans d'autres villes. Donc c'est très important de récupérer un maximum de points dans un minimum de délai. Ça reste très important. Allez, on continue. Hop, un petit virage à droite. Super. Et on est arrivé. Super. Donc là, je pense que normalement... Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ça bug un petit peu, je dois peut-être reculer. Voilà, super. Non, même pas. Yes, c'est bon.
Donc là je pense qu'on doit décharger les véhicules. Je suis pas certain, on va voir si, si c'est le cas. Alors faites voir. Hop. Ouais, on va décharger les véhicules juste ici. Je pense bien. On va voir. Ah, on doit décharger la voiture rouge d'abord. Vous voyez le gros rectangle qui clignote sur la voiture. Et ben ça nous dit qu'on doit décharger cette voiture en premier. Donc on va le faire. Hop. Allez, sésame, ouvre-toi. Yes. Et on va le garer juste là. Voilà, juste au bout du parking. Et on va faire la même chose avec la voiture jaune. Super, ça c'est très bien. Et on est parti pour la deuxième voiture. Donc c'est la voiture jaune, comme je vous ai dit. Donc c'est pas mal comme jeu, hein. C'est très intéressant. Puis ça change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. En tout cas au niveau du graphisme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à liker la vidéo si cela vous plaît. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne les amis, donc restez bien connectés. D'autres nouveautés aussi qui arriveront un peu plus tard. Hop. Allez, on est parti pour la seconde mission. Donc là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai réussi à bloquer cette voiture vert pomme avec le petit côté tuning. Donc je crois que c'est un dragon sur la voiture. Je crois que c'est un petit dragon. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve ça super joli. Hop. Alors là, on va prendre à droite. Et pareil, hein, on va aller le charger dans le camion. Voilà, super. Allez, on continue. Hop là, voilà, très bien. Alors, on va voir. On va le ramener tout en haut, celui-là. Hop, dans le rectangle vert, super. Et on est parti pour la deuxième voiture qu'on doit charger. Donc cette fois-ci, c'est la voiture violette. Donc c'est l'inverse, vous voyez. Le dragon, enfin le lion, il est en vert et la voiture, elle est en violet. Donc c'est pas mal, hein, cette petite voiture, super sympa. Au niveau du graphisme, comme je vous ai dit, c'est juste au top. Donc ce jeu, vous pouvez le télécharger sur mobile. Ou sur tablette, hein, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu. C'est disponible sur tablette ou sur mobile, les amis. Oula, on va faire attention quand même à ne pas trop abîmer le véhicule. Allez. Voilà. Allez, est-ce qu'on va y arriver? Perdre un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave. De toute façon, en niveau timing, on est très riche. Voilà, super. Allez, on monte. Et on se met juste ici. C'est très bien. Et on est parti pour effectuer la deuxième mission, les amis. Une petite marche arrière par là. Faire attention à ne pas écraser les personnes qui sont en train de parler juste à gauche là. Super. Donc là cette fois-ci je pense que la mission va être un peu plus longue. Donc voilà les amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter tout ça. Moi je vous laisse sur la fin de la séquence et je vous dis à très bientôt. Ciao.